ininterrompue de poids lourds, circulation au ralenti au mieux, à l'arrêt le plus souvent. Voici comment les routiers ont voulu se faire entendre du gouvernement. 16 régions touchées ce matin par ces opérations escargots et partout où un même discours, l'exaspération. Taxe de gasoil, taxe à l'essieu, maintenant l'éco-taxe. On paye continuellement. Donc là, c'est un grand ras-le-bol. Et là, je crois que là, ça va se généraliser partout. Né en Bretagne, la contestation gagne toute la France. 400 poids lourds à l'arrêt au sud de Paris, 300 à Toulouse, 200 à Bordeaux, des centaines à Lyon et Lille. Tous manifestent contre l'instauration de l'écotaxe. Pour la fédération de routiers à l'origine de l'opération, ce nouveau prélèvement, estimé entre 3 et 10% du chiffre d'affaires, est synonyme de condamnation pour les indépendants. Le petit transporteur n'a pas la capacité de pouvoir négocier avec ses chargeurs pour pouvoir répercuter correctement la valeur ou le montant de ce que va représenter cette écotaxe. Le résultat, c'est que ça va être pris sur ses marges, qui sont déjà extrêmement faibles. En bloquant les routes ce matin, la Fédération des indépendants réclame la suppression pure et simple de la mesure. Un projet qui, pour le moment, a seulement été suspendu par le gouvernement.